Regayo marziki yo bago. Regayo marziki yo kya? C'est la nature pour la pneu. Pour la toi là. Là oui. Donc tous les poubelles qui ont pu être ramassées, vous voyez, les déchets pardon. Non, bah qui, waouh, waouh. Des rois quoi, plus géos. Donc c'est tous les déchets qui ont pu être ramassés par Randocline. Patrick, s'il te plaît, tu peux revenir pour la vente des gobelets, des t-shirts, il y en a qui en veulent, s'il te plaît. Non, non, l'embrayage. L'embrayage, l'embrayage.
Plage de préfet. Oh,
Donc vous voyez, il y a un buffet, ici les gens peuvent manger, etc. Les gens peuvent se servir, les enfants peuvent manger, il y a de l'eau, on se paye. Donc il y a tous les moyens pour passer un bon moment ici. Donc là c'est parfait. Parfait, parfait pour le rendre clean. Le principe c'est ça, c'est de nettoyer les plages et passer des moments conviviaux avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est fort agréable. C'est parti pour le nettoyage. Nettoyage de la plage de Préfet. Et chacun a sa petite poche poubelle. Le plus chiant là-dedans, c'est que les déchets sont bien rentrés dans les bois. Du coup, et les canettes sont un petit peu plus loin. Il faut chercher plus loin. Et oui, c'est énorme, énorme, énorme ce que l'on peut trouver sur la plage. Donc vous voyez. Le PDG toujours avec son assiette. Il n'a pas encore fini de manger. Le PDG rando clean avec sa petite assiette. On fait un petit zoom dessus. Le ramassage qui va embarquer dans le bateau pour aller à Mtsara. Donc les poubelles qui embarquent dans le bateau pour aller à Mtsara, d'accord. Donc ça va être récupéré par les agents de la mairie qui s'occupe des ramassages des déchets.